Bonjour tout le monde, et oui, une nouvelle histoire de port du Pays Basque espagnol, alors Donostia ou encore San Sébastien pour ce coup-ci. Alors, si tu viens de l'Est pour aller vers Donostia, tu passes devant Pasaya, mais tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte seulement parce qu'il y a un ou deux cargos à l'ancre devant. Pasaya, c'est l'entrée la plus discrète, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, San Sebastián, ben, c'est l'histoire de deux monts, une île, une grande baie, une rivière et plein de plages de ci, de là. Donc une grande baie victime de son succès touristique. Car si jusqu'à présent on vous a plutôt montré des ports où on avait peut-être 5% de touristes ici, on va être sur une concentration de 30 ou 40%. Alors maintenant, il y a des bouées de mouillage partout et il n'y a donc plus beaucoup d'emplacements pour se mettre à l'ancre. Et devant, donc, c'est le petit port de Donostia qui est super bien abrité, caché derrière donc le mont Urgul, à la française pour la prononciation. Oui, je me rappelle parce qu'on est déjà venu ici en 2021 et c'était pendant le Covid. Il n'y a personne ? Et l'entrée est toute petite, donc c'est un à la fois, chacun son tour. Et là, c'est bon, ça passe, il n'y a personne non plus. Et voilà, donc sur la partie gauche, les Catouets, et bien ici, pour mi-juin 2024, il n'y a pas la foule non plus. Donc plutôt tranquille pour ce qui est normalement un haut lieu de la fête.
Maîtrise de l'espagnol doit beaucoup à la fréquentation des bars de nuit. Una media jarra de sangria, por favor, y dos copas Rioja Tinto, por favor. Osasuna. Rien de tel que de prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vue sur la Concha. Alors, forteresse, plateforme à canon, il y a tout ce qu'il faut sur le mont Urgul.